Nous décidons de partir tard pour marcher à la fraîcheur du soir. L'objectif de ce soir est d'arriver à cet endroit pour poser notre tente pour la nuit. Tout le parcours de la randonnée est un chemin comme celui-ci, facilement praticable. En dessous de nous, nous apercevons la combe de Crèvecœur, traversée par un petit ruisseau. En montant, nous avons une magnifique vue sur le fort de Varicelles ainsi que sur le barrage du Mont-Cenis. Écoutez le cri des marmottes. Une heure et quart plus tard, nous avons atteint notre objectif. Il ne reste plus qu'à monter la tente. Sur ce plateau, il y a beaucoup de vent. Nous avons eu des difficultés à monter la tente. Mais cela nous a valu un gros fou rire. Il ne reste plus qu'à gonfler les matelas. Ce sont des matelas spéciales randonnées, nous n'avons pas besoin de pompe, ils se gonflent tout seuls. Bon, il reste l'épreuve du sursac à passer. Je vous laisse découvrir tout ça. C'est rouge. Ouais. On n'est pas les mêmes. Alors, sac de couchage. Attends, mais moi c'est juste un sac. Mais oui, ça c'est poubelle. Pourquoi toi il est comme ça? Mais c'est pareil. Ah là, c'est un mais c'est pareil, c'est pour garder la chaleur. Elle est où la tête? Elle est où la tête? C'est pour garder la chaleur. De l'autre côté. Bon, je recommence. Sac de couchage. Voilà. Et sursac. Sursac pour garder la chaleur. Ça repère. Vivi a un peu du mal avec son sursac, mais ça va. Voilà. Alors ça se présente. Je suis pas souple. Voilà. Trop facile. C'est bon? Ouais. Je marchais bien à l'envers. Non, non. Mais non, c'est bon. Non, non, c'est juste. Nous voici bien installés pour la nuit, c'est très confortable. Il y a eu du vent toute la nuit. Je vous laisse découvrir cette ambiance un peu particulière. Quel bonheur de se réveiller au milieu de nulle part. On ouvre la tente et voici ce que l'on voit, le lever du soleil. Nous nous remettons en route au petit matin. Les marmottes nous repèrent de loin. Le chemin est toujours aussi praticable. Plus nous avançons, plus il y a des marmottes qui partent devant nous. L'avantage de commencer à marcher tôt le matin, c'est que nous pouvons voir de nombreux animaux. Comme ici, un troupeau de chamois. Nous apercevons enfin le fort, mais il est encore loin, il y a encore de la route à faire. Voici un champ d'Edelweiss. C'est l'une des plus célèbres plantes de montagne, en partie en raison de sa rareté. Son nom provient de l'allemand Edel, noble, et Weiss, blanc. Quel beau panorama! Le barrage du lac du Mont-Cenis devient de plus en plus petit. Les plateaux s'ouvrent à nous, les premières constructions apparaissent. Un mouton isolé est couché au milieu des rochers.
Nous nous assurons qu'il va bien et reprenons notre chemin. Nous construisons un abri pour nous reposer et prendre notre pique-nique de midi. Deux bâtons, une bâche et voilà un bel abri efficace pour le soleil. Voici des cirs épineux. Ce sont des chardons vivaces des hautes montagnes des Alpes. Arrivés à 2634 mètres, nous avons le choix entre la direction du lac Blanc et celle du Fort Malamo. Nous prenons bien sûr la direction du Fort Malamo. Nous pouvons observer les casernements de Giazette. Sur ce plateau, il y a trois ruines d'anciennes casernes. Dont l'une d'elles est datée de 1899. À partir de ces casernements, nous entamons la dernière montée pour le fort. Au-dessus des casernements, le chemin est très caillouteux sur quelques mètres. Nous sommes sur le plateau sous la pointe Rosset. Nous apercevons des blocos et tourelles ainsi qu'un glacier en arrière-plan. Au bout de ce chemin, l'entrée du fort. La vue d'ici est superbe. Allez, partons découvrir ce fort. De l'autre côté du fort, nous pouvons apercevoir de nombreux petits lacs, dont le lac Blanc, que nous avions vu tout à l'heure sur les panneaux.